Le concours, pour moi, une grande expérience. Immanquable. C'est une opportunité. Moi, je dirais une grande aventure. C'est vraiment un tremplin. Un accélérateur puissant de mon projet. Une chance et une très belle aventure pour démarrer le projet. Nous étions inscrits au premier concours d'innovation de la Technopole, à la fois pour tester le projet devant un jury et accroître notre visibilité, voir si le projet tenait debout en termes d'innovation, et aussi pour être repérés par l'incubateur que nous avons pu intégrer par la suite. Le résultat nous a confortés dans l'idée que ce projet était viable, et donc d'être rassurés par un prix attribué lors de ce premier concours nous a permis d'avancer. Donc c'est un tremplin qui nous permet de, dans un premier temps déjà de le formaliser, ce qui fait qu'ensuite on peut réutiliser cette présentation qu'on a fait, tout ce travail préliminaire qu'on a fait pour le présenter à d'autres personnes et notamment pour le comité de sélection à l'incubateur régional de La Réunion. Et c'est ça qui nous permet de bénéficier de l'expertise de l'incubateur, de son réseau de professionnels et aussi de subventions qui nous ont permis notamment de lancer déjà une étude de marché. Le fait d'avoir obtenu le premier prix à ce concours nous a permis déjà d'être crédibles auprès de différents partenaires pour présenter notre concept et nous a permis aussi de nous mettre en relation avec différents organismes qui par la suite ont pu nous aider, nous accompagner pour la suite de l'aventure. C'est vrai que ce qui a été très très bien aussi, c'est le fait d'être accompagné. Et le fait d'avoir des personnes qui sont derrière vous, être comme dans un train, une locomotive et être un petit peu tiré. Parce que c'est vrai que j'ai déjà participé à beaucoup de projets que je n'ai pas menés à terme. Et là, avec un accompagnement et un suivi, ça motive toujours. Il y a toujours des gens qui relancent et ça permet vraiment d'avancer. Depuis, ça a permis justement d'ouvrir beaucoup de portes qui sont très difficiles à ouvrir quand on n'est pas incubé, c'est-à-dire que ça permet de faire avancer un projet beaucoup plus vite que si on était seul dans son coin. 10 mois plus tard, je suis vraiment dans quelque chose qui s'est totalement structuré, où j'ai lancé les développements techniques, où j'ai fait beaucoup de choses qui n'auraient pas du tout été possibles si je n'étais pas passé par cette canalisation à travers le concours. Ça m'a permis de remettre le nez dehors, de rencontrer des gens et de me rendre compte, un, que je n'étais pas tout seul à avoir des projets, et deux, qu'il y avait vraiment plein de gens qui s'intéressaient sur l'île et qui avaient des compétences pour pouvoir m'aider. Donc ça m'a mis le pied à l'étrier, ça a vraiment lancé la chose. Et le concours de la Technopole fait partie de ces moments plus forts que d'autres qui créent des opportunités, qui déclenchent des rencontres avec d'autres personnes. Il y en a certains avec qui j'ai côtoyé, j'ai noué d'amitié et avec qui j'ai démarré d'autres aventures entrepreneuriales. Donc c'est aussi une rencontre humaine.